Bonjour et bienvenue, je voulais parler un peu du boss de fin de la nouvelle forteresse en GM3 et du commando. J'ai eu quelques personnes sur mon stream trouvant le boss de fin de la forteresse assez difficile. Personnellement, je pense que cela provient surtout du javelin utilisé. Par exemple, le Colosse a vraiment un gros problème dans ce combat et BioWare n'a visiblement pas testé de jouer Colosse en GM3. Personnellement, je l'ai fait et je dois dire que c'est un de mes pires moments passés sur le jeu. Bref, c'est dans mon dernier stream si vous êtes curieux. Maintenant parlons du plus puissant javelin du jeu, donc le commando. Donc encore une fois, le commando a reçu un boost qui est sur la distinction de la dévastation. Les charges de l'ultime sont passées de 3 à 10, donc vous pouvez complètement avoir votre ultime toutes les 10 secondes. Si vous êtes curieux du build, je vous invite à aller voir ma vidéo, le lien sera dans la description. Alors au final, pourquoi encore reparler du commando? Car je trouve ça triste, encore une fois, d'avoir buffé le commando. Les autres javelins deviennent de plus en plus inutiles. Personne n'atteint ce niveau de dégâts, il est résistant, rapide, bref, ça devient de plus en plus le javelin parfait. Pour finir, je voulais aussi rajouter une petite chose par rapport au commando. Le commando ne peut plus relever les gens en les soignant avec le composant fer de lance. Alors apparemment c'était un bug, mais personnellement je pense que c'était un bug utile, dans le sens où c'est que ça rendait le commando assez unique car il avait vraiment un rôle de soutien dans l'équipe. Mais bon, dans tous les cas, c'est un peu le mauvais côté de la pièce. Pour finir, merci beaucoup d'avoir regardé cette toute petite vidéo. Je vous invite toujours à faire un tour sur ma playlist d'Anthem. Et si jamais vous avez testé différents builds avec le commando sur ce boss-là, et bien sûr en GM3, je vous invite à le partager en commentaire. Merci à tout le monde et bonne chance dans le monde de Anthem.